Dans un moment, suivez Henri Laborie. Là, après ça, le gars, il monte un pot avec des cendres, OK? Fait que là, il dit, j'ai ici un client satisfait. Ça repart fort, là. Fait que là, il dit, j'ai ici un client satisfait. Mort le 16, il s'est éteint le 18. Écoute! T'es sérieux, ça? Alors, c'est juste moi, mais qu'ils comprennent tantôt, ils voient rire, tu vois. OK, là, on est rendu à la fin, comprends-tu? Je tourne les pages, j'allume le twin. Là, on est rendu à la fin, mais le gars qui creusait au début, OK, on le retrouve à la fin, comprends-tu? Mais qui fait dormir les yeux ouverts, là, même? En tout cas, fait que là, le gars, il a pas arrêté de creuser, comprends-tu? Fait que là, il regarde ça, il dit, ouais, je commence à avoir un petit creux, moi. Le monde va vouloir se tuer pour aller chez vous, tu le dis? S'ils rient pas, là, c'est juste qu'ils ont oublié de mettre le son, comprends-tu? Qu'est-ce que t'en penses? C'est le temps du lien ou c'est une contre... Ouais, là? Il y a peut-être une ou deux bonnes blagues, mais chose certaine, si vous allez dans le comique, il faudrait que ce soit plus fin. Regarde, fessier, t'es plus proche, toi, là. Je vais vous donner un exemple. Non, pas tes poignets. C'est une blague très, très drôle que m'a raconté un ami. Non, c'était sa femme, plutôt. Non, c'était lui. Hey, écoute donc, je suis tenu à prendre une douche avant qu'elle compte, là. Quel est le mot le plus long du dictionnaire? J'en ai aucune idée. Élastique. Il est drôle, hein? Ben oui, t'es un méchant tisoune, dis-là. Moi aussi qui me ferait rire de même, j'aurais pris la peine de me brosser les dents. On pourrait la mettre dans le commercial. Mais tu fous, toi? Je veux dire, êtes-vous fous, vous? Ben voyons donc, une bonne joke de même, tu vas aller brûler ça dans le commercial. Qu'est-ce que tu fais là? Garde-la pour toi. Imagine, tu sors ça dans un party, c'est un hit, mon vieux. Oui, mais j'en ai d'autres et des meilleurs. Oui, mais ça accotera jamais l'élastique, qu'est-ce que tu veux, t'sais? Aussi, en tant que président de la compagnie, j'aimerais bien apparaître dans le commercial. Toi, ça passe à TV? Pas sûr que c'est une bonne idée, madame. Ma décision est prise. Si c'est ça que vous voulez! Écoute-donc, il faudra faire le gars qui creuse, si je te dis. Je vais prendre quelques jours de vacances et à mon retour, j'aimerais que tout soit parfait. Pas de problème, quitte à travailler jour et nuit, hein, Maurice? Hey, wow, wow, là, je commencerai pas à baisser mes culottes pour lui faire plaisir, moi, OK? T'as raison, je suis pas sûr qu'il aimerait ça, hein? Tu dis, pas de l'autre. Allez, au revoir et bon travail. Merci et bonne vacances! Merci. Hey, élastique. Aïe, aïe, les crampes, hein? T'as cette plate pour toi, ça? C'est ce que ça veut dire, il faut que tu recommences. Mais dis-moi pas ça, je viens d'arrêter, là. Surtout que j'ai assez de goût, moi, là, t'en as pas si toi, toi, hein? C'est pas de ça que je te parle, il faut que tu recommences ton concept. Hein? Mais avant, tu vas prendre des vacances. Tu me disais toi-même que t'étais fatigué, hein? Puis tu vas me revenir en pleine forme avec un nouveau concept. Mais comment ça, un nouveau concept? Il est super bon, ce concept-là, voyons donc. Ce qu'il veut, c'est quelque chose pour faire augmenter sa clientèle. Ben oui, mais toujours pas pour légaliser l'euthanasie. Tu fais de là, toi! Dernier appel pour le vol 717 pour Puerto Plata. Dernier appel. Oui, j'arrive! Il y a un maudit, c'est ce petit bal de quel même, toi! Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour! Croyez-vous qu'il y a encore de la place pour Dieu dans notre société moderne? Ah, peut-être, si on se tasse tout un peu, hein? Tu fais là, toi? C'est parce que la fin du monde est proche. Hey, écoute bien, je m'en vais prendre l'avion. Tu me dis que la fin du monde est proche, là, toi, là? Essaye ici de me vendre l'assurance, c'est quoi l'idée, là? Mon religion vous intéresse pas. Ben disons que depuis que j'ai étudié chez les frères, la religion, je l'ai quelque part, moi, OK? C'est parce que ici, dans notre revue... Hey, écoute bien, là, comment ça coûte ta revue, là? C'est 2 $. Parfait. Garde-là 20 $, va en jeter 10 dans les poubelles, OK? Hey, l'avion, tu parti, là? Non, il vous attend. Ben, mais c'est quoi l'idée aussi de mettre un vol à 5h30 du matin, hein? Est-ce un autre fuseau horaire, vous autres, là? Vous allez à Puerto Plata? Mais ça doit être, ça qui est écrit sur le billet, là. Bien sûr, Puerto Plata, là, c'est le genre de place où tu peux poigner des hésites, là, là.
Style tourista, ça fait le même? Non, ça s'est beaucoup amélioré. Ben, c'est le fun, je me suis fait vacciner pour rien. Maudit. Partez pour une semaine. Ben, c'est ça. Je peux pas partir plus longtemps. Je pars qu'en double, moi, là. Qu'est-ce que vous avez comme bagage? Ben, là, ça venait des t-shirts, des sandales, des affaires. Pas de tes affaires, ça, pas là-dessus? Je parlais du nombre de valises. Ben, OK. Mais là, il y en a une, tu vois bien, elle va te sauter d'en face. Puis, ce serait le fun qui arrive en bon état, c'est pas trop demandé. Pas de problème, on s'en occupe. Parfait. Hey, mais faites attention. Il y en a personne. Mais ça, c'est un vol non-fumeur, ça. Tous nos vols sont non-fumeurs. Ben, parle-moi de ça. Parce que moi, je viens d'arrêter. Hein? Puis si j'ai un poignet fumé dans l'avion, je le sors, tu sais. Il va avoir affaire écrasée, lui. Hey, j'ai pas fait deux semaines de tai chi pour rien, moi, là. Tai Chi, c'est pas de l'autodéfense. Bon, je le sais, mais c'est tellement slow que j'y ai mon verre, moi, là. C'est combien de temps le vol, là? 4 heures, 4 heures et demie environ. 4 heures et demie. T'es longtemps, c'était le goût de fumée, ça, hein? Attends, je vais reprendre une coupe de gravol pour être sûr, madame. Voilà, monsieur, bon. Vous passez à la douane. Vous vous présentez immédiatement à la porte 89 pour l'embarquement. Je vous souhaite un bon voyage. Bon, une chance, t'as rien d'autre à dire. Je l'aurais manqué, hein? C'est petit. Je vais manquer mon avion, moi, là. Bonjour, monsieur. Si vous voulez enlever tout ce que vous avez de mettre là. C'est votre sac, ça? Ben, j'espère. Fin de demi-heure, je le traîne, tu sais. C'est quoi, ça? Et des gravoles, tu vois bien. C'est écrit ici. Non, passe-moi dans ça, je vais en reprendre une coupe. On dirait que ça fait pas effet, celle-là. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Pogner le contrat de déneigement, hein? Allez, donc. M'en va me baigner, m'en va jouer au golf, ça va être super le fun. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est des espèces de patchs à nicotine, là. Tu colles ça un peu partout, puis ça aide à arrêter de fumer, là. Là, on dirait que ça fait pas effet, là. Je suis pas si fort avec ça, là. Moi, je suis allé coller ça à l'envers, moi, là. À moi, je mette le feu, après, c'est peut-être ça. C'est du feu, lui? Hein? Si vous voulez passer au détecteur de métal... Je vais manquer mon avion! Hey, c'est ça ou la fouille à nu? Oh, oh, garde ton linge, je fais là, toi. Déjà qu'habiller, c'est limite, là, tu sais. Fait qu'attention. Là, doit être mon code, ça. Maudit niaisage. Aide-moi pas, surtout, hein? Pas trop soufflé, hey, s'il vous plaît, sors d'un burn-out. Travaille à Mirabel, t'es venu à bout de faire un burn-out, toi. J'espère que la CSST t'a poigné, hein? Donc, attention. Mais qu'est-ce que c'est ça encore, là? Pour moi, c'est votre ceinture. Ben oui, il doit être la fly aussi, hein? Le passager Maurice Pépin est prié de se rendre à la porte d'embarquement 89 immédiatement. Monsieur, j'ai pas le choix. Il faut que vous passiez par là. Hey, toi, là, j'espère que je te poignerai pas en revenant. Attention. C'est toi qui a fait ça. Ça y est, pas, j'ai évité les lèvres bouger. Ben voyons, monsieur. Mais voyons, monsieur. Passe donc, c'était si fin. Mais certain. Tu vois qu'elle fucké ta machine, hein? Bon, fouillez-les, là, lui, là. Pas sûr qu'il s'est pas un gun avec ça. Oh boy. Ça fesse 22 gravoles. Non, je vais aller prendre une marche chez elle, moi, là. Tout le monde a assez de sacs bruns? Ben, faites d'attendre, servez-leur pas. Bon, prendriez-vous un apéritif? Une bière, un gin, un parachute? Une farce. On n'a pas de parachute. Je vais prendre tout ce que vous avez dit. Parfait. Hey, ça bronze-tu toujours de même? Ah, écoute, il y a des fois, c'est pire que ça, hein? Moi, j'ai déjà vu un passager changer de rangée complètement, hein? Puis il est attaché, là, tu sais. C'est bizarre, hein? L'avion est pas bien plein. Ouais, mais ça, c'est peut-être mieux de même, parce qu'on était bien plein la semaine passée, puis on a eu de la misère à lever un petit peu, tu sais.
mais ça descendait en calvasse. Fait gars, je t'ai tout mis ça dans le même verre, sans ça, je suis obligé de te le charger. Veux-tu te le mettre dans le sac direct? Excusez, faut que j'aille aux toilettes. Bon, es-tu capable de t'obtenir tant que je recule? Fais attention, il y en a un qui est couché à terre dans le couloir, là. Je sais pas ce qu'il y a, mais il sent un gravol à 2000. Là. Oui, mademoiselle? Bonjour! Et vous savez que c'est la première fois que je prends l'avion? Ben non, je savais pas ça. Faut dire que je lis jamais les journaux, moi. C'est toi qui dessouffle, ça? Excuse. Ou être l'autre qui s'est trompé de porte, là. Ouais. J'ai oublié de mettre le lock dessus un partant. Comme ça, vous avez gagné un voyage, vous. Ben oui! Bon, mais coudonc, ça s'arrose, ça. Prendre mon drink en même temps. Ben oui, ben l'hôtel 5 étoiles, tout! 5 étoiles? Ben oui! À Puerto Plata? Ben oui! Ah, ça se peut, mais si tu fais le total de tous les hôtels de l'île. Excusez-moi, c'est quoi la lumière qu'on voit en bas? Ben là, ça doit être une ville, j'imagine. C'est parce qu'on est au-dessus de la mer, là! Ah, c'est peut-être un banc de dauphins et des flashlights. T'as dit qu'elle floche ta toilette là. Il a perdu sa calotte. Chance t'avais ta montre dans l'autre bras. Moi j'enlèverais l'autre manche, là, pis ça te fait une belle petite veste, mon vieux. Tiens, la vis! Quand je vais m'amêler, il va le dévisser de lui. Regarde, tournez vous asseoir avant de partir une bagarre, là. Moi, je vais servir le repas, OK? Il est temps, j'ai faim. Ben, ça donne bien, il faut avoir faim de manger ça. Qu'est-ce qu'on peut vous servir? Qu'est-ce qu'il y a sur le menu? Ben là, ce mois-ci, on a un petit filet de poisson blanc, me semble, avec une petite sauce jaune, ce qui fait un petit arrangement de couleur assez drabe, finalement. Ou du bœuf, avec la même petite sauce. Je sais pas ce qu'on fera sans cette petite sauce-là, moi. Puis comme dessert, ben t'as petite sauce seule. De quoi y a l'air, le bœuf? Ah, ça fond dans la bouche. Bon, ben je vais prendre le bœuf avec du vin rouge. Là, je sais pas lequel est lequel, par exemple. C'est donc celui-là, il me semble que les couleurs sont plus fun. Ben oui, mais c'est encore gelé. Ah, ça je te disais, ça fond dans la bouche, moi. Est-ce le vin? Ben oui, mais c'est du blanc. Regarde, c'est parce qu'il y a tendance à faire un petit dépôt, là. Je sais pas ce qu'il y a. Brasse-le un peu, là. Regarde, s'il est beau, là. Hein? Non, mais c'est un bon vin, c'est un 89, ça. C'est écrit « meilleur avant 89 ». En tout cas, je sais pas le lire. Je pense que je vais plutôt essayer de dormir. Hein? Il aurait pas pu tomber tout à l'heure, lui. Excuse, tu dors-tu? Non. Pas... Si jamais on tombe, là, tu flotteras pas juste avec ça. C'est une joke. Quelle vase, faut attendre d'arriver. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant amorcer notre descente vers Puerto Plata. Quelle vase, on avait le vent dans le dos. Comme nous allons traverser une zone de turbulence, je vous demanderai de regagner vos sièges et d'attacher vos ceintures. Bonne chance. Moi, je m'en sois en arrière, c'est beaucoup plus sécur, ça. Ah, mais ça regarde bien, on va appeler le pilote. Ah, c'est engagé. Ah, c'est une farce. Il est même pas là. Oui, Paul? Bon, je te réveille pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois rien. Tes wipers marchent plus. Ben, ça va bien. Bon, ben, regarde ce qu'on va faire, je vais te guider, moi. Ouais, ouais, ils sont bien allés. Fait que garde, là, crampe en masse. Non, il n'est pas peur, c'est le train d'atterrissage qui vient de sortir. Il n'est pas juste sorti, je le vois tomber. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu peux bien, ça vient de s'éteindre? Non, ça a rallumé, petite voûte, t'as perdu.
Attention, va terrible. OK, break. Je dirais qu'il atterrit sa largeur de la piste, lui, là. Bon, ça s'est bien passé, hein? Alors, je vous demanderai de rester assis jusqu'à l'arrêt qu'on fait de l'appareil et vous vous dépêcherez de prendre vos bagages, OK? Comment ça? Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a de quoi qu'on verse. Sont tous tes papiers sur la piste, là, en tout cas, alors, bonne vacances quand même, hein? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Sli! Ezekiel, où est-ce qu'il est, le gars qui travaille ici? Et c'est... C'est vous qui travaillez ici. C'est ça. Ezekiel, hein? Non. J'ai une réservation au nom de Philippe. Qui? Correct, ça? Ben, allez-vous vous occuper de moi? Ben, dis, il faudrait que je me lève, celle-là, là. Mon hamac, il était tout chaud, là. Oui? J'ai une réservation au nom de Philippe. On va checker ça, mon Philippe. Non, j'ai pas ça. Ben, c'est sûr, vous regardez dans les F, c'est dans les P. Donc, c'est Philippe, ton nom. Hein? Philippe. P-H-I-L-I-P-P-E. Ah, P-P-E. OK. Elle dit, dis de suite, mon PPE. Non, pas de PPE. Je me rappellerai, c'est rare, PPE. Mais vous devez pas avoir une chambre de libre. Mais là, regarde, là, je veux pas te faire friquer avec ça, mais ça regarde mal, parce que ce qui se passe, là, c'est que j'ai deux réservations. J'en ai un qui est pas encore parti. Ouais, puis? Mais c'est tout, il y a juste trois chambres, tu sais. Mais moi, j'étais obligé de dormir dans la Mac, là, parce que je trouve ça drôle. Oui, c'est quand vous avez répondu? C'est pour régler ma chambre. Ah oui, OK. C'est sonnette qui me fout, moi, là. Vous prenez les cartes de crédit Visa, Mastercard, American Express. Yeah, bien, certain. Thank you. Et là, comment je vais faire pour imiter ta signature, moi, là? Ben non, t'en prends une pour payer, là. À payer tes affaires, OK. C'est parce que je commence, moi, là. T'sais. OK, on passe ça dans la machine. Hop là! En train de gaper les chiffres un petit peu. Hey! Non, je sais pas ce qu'elle a, ta carte, elle passe pas, moi. Mais anyway, ouais, t'as pas de l'argent à place, là. C'est parce que j'ai encore mon chômage, moi, là. Ça ferait mon affaire. Mais v'là 840. 840. Tu 830. Je t'en dois-tu ou si tu m'en dois, là? Tu me dois 10. C'est beau. Tiens, mon vieux. Non, déroulé et tout là, c'est parce que ça vit beaucoup. Merci quand même. OK. Bon, pour ma chambre. Tu l'as dit tantôt, c'est complet. Là. Ben oui, mais il y en a une, là, qui vient de se libérer. Ben oui. T'es vite, toi. Hein? T'as tout aimé, mon vieux. Ben oui, mais il n'y a pas de numéro, c'est la clé. Ben là, trouve la porte qui fait avec, là. Ça devrait pas être trop long, là, juste toi. Là. Une bonne vacances. OK. C'est moi qui ai gagné le voyage. Ah, c'est toi, ça. Mais il me semble que je vous connais, vous. Ah, je sais pas. T'es-tu déjà fait arrêter, toi aussi? Oh, vous faites du spectacle, vous, hein? Ah. Oh, je vous ai déjà vu à la télévision. Oh, hey, c'est drôle, je pensais pas plus grand que ça. Ouais, c'est parce que quand t'écoutes la TV, t'es assis, hein? Fait que t'es assis. Ah. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais là, j'étais en sabbatique, là, parce que les shows au Québec, ça tranquille pas mal, ça. Je travaillais pas beaucoup à cause de la récession, là. Fait que là, je travaille ici, à la réception, là. Non, non, mais sérieux, c'est parce que je me suis acheté un petit hôtel dans le sud. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais ça dans la tête, puis moi, quand j'ai une idée dans la tête, là, disons que je pourrais en avoir d'autres parce qu'il y a de la place.
Mais là, j'en fais encore mes sites, là. Ah ouais, il y a un gros hôtel qui m'a engagé. Je commence à soir. Puis ça va bien. Ça se peut que je joue demain, tu sais. Ben, j'étais allé hier, il y avait un party. C'est le fun, c'était 5 minutes d'ici. Mais pour revenir à 4 pattes, ça a pris une grosse demi-heure. Mais ben là, je suis supposée avoir une chambre réservée pour 7 jours. On va regarder ça. Pourriez-vous mettre mon passeport en sécurité? Oui, ça te tient. Ben, ça, si tu payes ça, le passeport, t'es fait. Hein. Ça, là, mais... Mettrais-tu ton nom dessus pour être sûr que c'est tatoué? Parce que, regarde, on ne te reconnaît pas du tout, sa photo. Mm-hmm. OK, c'est l'étang de la douane, ça. C'est un mec que t'avais les cheveux dans la face. Bonjour! J'ai une réservation, une chambre, pour une semaine. Et c'est drôle comment il parle, lui. On dirait que t'as sniffé de l'hélium. Regarde, je vais te donner ce chambre-là, c'est la meilleure. Oh. Tu des bagages, toi, Lynn? Oh, justement, ils les avaient pas à l'aéroport tantôt. Hein? Mais t'es abattu quand t'es partie de Mirabelle? Ben oui. Ben c'est ça, je sais ce qu'ils sont. Mais... Ah! Ben oui, ils sont perdus. Bon, je pourrais te savoir ma clé? Pas besoin, à bord pas, tienne. Oh oui, je pense à ça. À l'aéroport, ils m'ont donné une valise qui m'appartenait pas, mais ils ont dit que quelqu'un passerait la prendre. C'est beau. Qui c'est que vous appelez? Personne, c'est juste ça me tient réveillé, c'est là. Mais là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai rien à me mettre sous le dos, moi, là. Ouais, ça va bien, toi. Hein? Ouais. Peut-être t'arranger ça, mais... Ah? Peut t'en passer du linge, mais... Oh, ce serait gentil! Ben, écoute, ça fait plaisir. Et juste une affaire, par exemple, faudrait-tu me le remettre bien propre? Pas de problème! OK. Regarde, une petite brossée, ça. Merci! OK. Pardon, monsieur! As-tu déjà fini le lavage? Qu'est-ce qui... C'est la voix, hein? C'est... Qu'est-ce qu'il y a, là? Savez-vous où je pourrais trouver du matériel de plongée? Bonbonne, palme, masque. Pour aller dans l'eau, c'est là, là? Oui. OK. Sam, j'avais une coupe d'affaires quand j'ai acheté l'hôtel, moi, là. Bonbonne, t'as dit, toi, hein? OK. Regarde, essaye ça. Tu vas caler avec ça, mon chat. C'est pas du propane, ça, là, là? Mais là, t'as juste à pas fumer en même temps. Mais c'est ça que tu ramènes pour 6 heures, parce que je pensais te faire des brochettes à soir. Okay. Les palmes, mais là, il y a ça, hein? Je pense à ça. Y a-tu beaucoup de requins dans le coin? Pas beaucoup, non. C'est pas mal tout le temps même, tu sais. Ah! Bon, ben merci! Et bon! Bon, ben ça s'est bien passé. Pas de moins de ça, toi. Yeah. La chambre à choses. Où est-ce qu'il est, dans lui? Ah, c'est toi, de pic qui est parti avec ma valise. Tu le frames? Tu rien mettre sur le dos, moi, là? T'as essayé de me gâcher mes vacances, toi, hein? Pardon? Pardon. Tu peux bien me demander pardon. Mais sais-tu, je te garde, toi, là. Tu peux bien voler le linge des autres, hein? T'habilles-tu chez Jean Coutu, toi, que d'autre? Hey, monsieur, c'était une erreur, là. Ouais, mais t'en es une, erreur. Tu as toi, cette valise-là? Ouais. Parfait. Viens avec moi, on va aller voir si elle flotte. Hey! Mesdames et messieurs, Ronnie Dubé! Excuse me, because you kissed the sky. Merci! Buenos gracias! Qu'est-ce que c'est ça, cette musique-là? C'est quelle? Je t'ai demandé de jouer du top 40. 40, c'est 40, ça? Oui, pis! Parce que mon appli arrête à 10, moi, là. Hey, niaise-moi pas! En tout cas, arrange-toi comme tu veux, mais je veux que le monde ait du fun pis qu'il participe. OK. Ah oui, pis j'ai une demande spéciale. Fais-toi couper les cheveux! OK, ça commence comment? Petit. Ça fait un petit participer? Ah, ben il y en a 12, ça lui tente, c'est le fun. Ça fait un petit participer? Ah,
Là, il y en a trop. OK, qu'est-ce qu'on ferait bien, donc? Ah, j'ai une idée. On va en profiter, là. Regarde, on va taper des mains, tout le monde, OK? Papa, attention à mon signal. 1, 2, 3, 4. C'est ça! Tout le monde, au balcon aussi! Good! C'est ça! Hop, attention! Les deux mains à cette heure! Pas mal plus dur, hein? Hey, ça se peut-tu, il y en a qui faussent? OK, c'est beau! Bon, ça a marché. Fais danser ça, c'est... On va empoigner un, là. Hey, regarde, c'est lui qui est sur le bord, là. Tu vas danser, OK? Hey, come on! Alors, je pars une tourne, tu te fais aller, puis les autres vont suivre, OK? Regarde, tu passes ma part de ma job, moi, là. OK, pars-moi ça. Là, pourquoi tu danses pas, là? Tu bues de l'eau, toi aussi? Là, arrête le drame, il se fait là. En tout cas, au moins les autres ont suivi. Mais peut-être regretter de pas avoir dansé, mon vieux, parce que si t'avais dansé, t'aurais gagné une belle bouteille de champagne. Mais là, t'es obligé de la faire tirer. Alors, c'est maintenant l'heure du tirage. C'est une bouteille de champagne, une gracieuseté de choses là, qui est à notre honneur. Le top 40. Là. Alors, c'est une bouteille de Codornio, demi-sec, bien chaud. Mais oui, t'inquiète, madame. Alors, surveillez bien vos billets. J'espère qu'on ne pognera pas quelqu'un au balcon. Ça se peut pas, ils sont pas dedans. OK, alors, le gagnant ou la gagnante, hein? On est rendu, là. Mais tiens, c'est elle, là! Ben oui, regarde, t'es déjà debout. On l'applaudit! Ben oui, c'est toi! OK, n'as-tu qu'un des demandes spéciales? À part, fais-toi couper les cheveux, je le connais pas. Guantanamera! Guantanamera? C'est qui a me crié des noms, là? Ah, la chanson, tu parles, toi, là. OK. T'as qu'à le dire? Oui, alors, t'as juste à dire Guantanamera 3-4 fois, puis ça va être bien, bien beau. Fais gaffe, mets-toi au micro, si tu veux qu'on t'entende. Moi, je vais partir sans faire qu'un solo. OK? Attention. Comme c'est là que t'es en bac, là, tu sais. Peut-être tes lunettes sont pas assez fortes. Mais regarde, c'est quand je suis rendu ici, OK? Bien facile, je peux pas aller plus loin, tu sais. OK, attention, on repart ça. Quoi, là? Je tombe sur quelqu'un puis il se loupe moins, mais dis. Regarde, on va accélérer un petit peu, c'est parce qu'on t'avait poigné à marée haute. Ça paraît, c'est pas toi qui a la guitare électrique dans les mains. OK, attention, on repart ça. OK? Guantanamera,
Merci! Ah ben, tu chantes pas bien. Es-tu une chanteuse, toi? Non, je chante pour le fun. Chante le fun? Tu devrais chanter pour le vrai, je trouve. Mais je savais que ça marcherait parce que c'est rare que quelqu'un qui chante du mime, hein? C'est une joke. C'est pas rare du tout. Mais si t'es pas une chanteuse, c'est quoi tu fais, toi? Je travaille à Montréal. Travaille à Montréal? Tu es une des rares qui travaille à Montréal. Maudit qu'il fait chaud ici, hein? Vraiment de l'air climatisé, me semble, je te trempe, moi, là. Hein, fait chaud. Calor? Mucho Celsius? Si, mucho calor. Dis que t'es intéressant, José, toi, hein? Ben, on est rendu sur le sixième, qu'est-ce qu'il y a d'habitude? Un lac, du bois, une trappe de sable, une ligne de chemin de fer. Coudon, y a-tu tout mis sur le même trou? C'est ce qui se passe, là? Je devrais pas aller me racheter des balles, moi, là. Y a-t-il un club presse, site? Ben, n'a pas. Maudit que ça va pas organiser. En tout cas, je suis venu ici pour me détendre. Ça sera pas facile, mais je vais me détendre. Passe-moi mon bois 1, là, toi, là. Bâton fessé! Si, seigneur. Ben, laisse la momoute dessus, ça va bien, hein? As-tu peur que pogner un coup de soleil, là? Bon, le recule-toi, tu te rappelles, t'étais trop proche tout à l'heure, là. Oh, que ça vous fait du bien de fesser sur quelque chose, toi. Juste une balle, tu vas me dire, mais on va payer pour les autres. OK. Hey, alors, c'est-tu fatigué, ça? C'est parce que je suis habitué d'éteindre, moi, hein? C'est ça que... Bon. OK. On fait le niaisage. Check-moi ça. Attention. Oui, miss. Oh boy, fais-tu bien un coup de pratique, hein? Tu dis que c'est petit pareil, ces balles-là, toi? Moi, je devrais pas fesser sa grosse à la place, là. Quoi qu'elle rentrera pas dans le trou. Ben, Ramon, wake up, là. C'est génial. Tu dis que tu ferais un beau mort, mon annonce, toi, hein? Bon. OK, matoué c'est haute, mon Ramon, c'est là que ça se passe. Attention. On se concentre. C'est pas juste de l'eau que je transpire ça de tes mains. Faut bien venir dans le sud pour sentir le fauve, hein? Là, je lave ça au jus de tomate, la chemise-là, là. J'ai assez joué de coup, je peux bien sentir la swing, hein? Oh, tiens. Bon. Check ça, Ramon, ça va être la passe du couteau à mastic. Oui, monsieur. Je suis fait arrêter de soigner ça, là. Quoi que ça fait du bien, il fait une petite draft, pareil. Ben, OK, là, ça va faire le niaisage. Attention, mon vieux. Ça va y être. Oui, monsieur. Ben, il n'y avait pas du gazon ici, tout à l'heure, là? J'ai fait un moyen trou d'un coup, moi, là. Is this yours? Hein? Ben non, il y en a aussi. C'est à tout le monde, hein? You dummy. Ce qu'elle veut, elle. Tu fais ça, toi? Bête comme tes pieds. Elle me parle en anglais, en plus. Tu sais ce qui se passe? Il n'y a pas de loi 101, c'est? Hein?
Puis tu sais quoi, toi, loi 101? Si, si. Ouais, mais parle-moi pas là-dessus, c'est pas le temps, là. Tu sais qu'elle a la balle, là, tu veux aller, là? C'est à qui? C'est à qui? C'est à moi, si tu fais là. Ah, ben, coudonc. Deux verges contre le vent, je m'améliore, hein? OK, tu vas me donner mon fait 3, là, toi. Laisse faire, je vais le prendre. Occupe-toi des moumoutes, là. Check ça, mon Ramon, ça va être la guerre du golf. Oui, monsieur. Hey, c'est-tu fatiguant, ça? T'as pas des petits clous de finition, quelque chose, là? Non. OK. Non, c'est l'autre, à cette heure. Dépêcher de fessier avant que les deux shakes en même temps. Fait qu'attention. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Garde-moi ça, c'est belle, hein? Garde ça, direct, dans le lac. Elle dit que ça détend, ça? Hein? Pas sûr si tu me portes pas malchance, là, toi. Je pense que c'est toi, mon handicap, finalement, hein? Là, tu vas aller, là? Si, oui, oui, t'as même pas vu partir, m'être gagé. Je pense que je vais en joindre un autre, près de dessus. Là, personne dans le bout, t'es de la marde. C'est bien. Comme un choiré, tu vas me stouler en espagnol, là, toi, là? Tu veux ça, mon petit beau coup? Hein? Oui, monsieur, c'est parti. Ouais, avait raison, elle, finalement. Fais-tu bien une petite semaine dans le sud, hein? Je suis en affaire, c'est pauvre or, ici. Pas un proche, là, mais moi, ça m'a fait comprendre qu'il y a du monde dans la misère. Il y a de la misère dans le monde, puis il y a du monde avec qui j'ai bien de la misère, moi, tu sais. Mais moi, ce qui me remonte, c'est que je suis venu ici de créer de l'emploi, là. Parce que je t'ai pas obligé de t'engager, hein. Parce que je sais pas si tu le sais, mais t'es pourri rare comme cadet, mon vieux. Là, il fait 8 balles, j'envoie dans le lac, t'en as retrouvé juste 3, là, tu sais. Mais, tu vas être payé pareil. Faut l'avoir ton 2 piastres, c'est tout sur moi. On me dit, c'est pas beaucoup 2 piastres, mais c'est encore drôle. Puis t'en acheter des fruits, ça. Hein? Ça fait ça, toi, qu'une banane, ça équivaut à un steak? Si, si. Ah oui? Puis d'un, pognez-vous Radio-Québec, c'est tout ça? On me dit, ça doit être bizarre de manger une banane avec des frites et du ketchup, là, mais c'est pas de ça que je te parle. Pourquoi tu me dis ça, là? Hein? Essaye de me déconcentrer de ma game, là, toi. Là. Parce qu'elle a la balle, là, allume un peu. Ben. Oh. Hey, c'est à qui? Ah oui, regarde. Hein? T'es pas là-dedans? Ah ben maudit! Comment ça se fait qu'il y a de l'herbe haute en plein milieu du terrain? Vivement 4 gaz dans ton deux, ce coudon! Hey, quand je pense que je pourrais être à l'hôtel en train de m'engueuler tranquillement avec le gérant, je me ramasse à jouer au lézard dans l'herbe haute. Hey, il m'a trasé ça, moi. Comment tu dis ça, un weed eater en espagnol? Non, laisse faire, je vais m'arranger. C'est que t'as dit qu'il y a... Ah ben maudit! Un top de cigarettes. Ça prend-tu un éclairant, toi? Hein? Je vais-tu jouer au golf dans son cendrier, moi? Hein? Ah ben maudit, c'est ma sorte, hein? C'est du feu, toi? Hein? Du feu, fuego! Non, 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 seigneur! Hey, t'es un gros plus, toi, finalement! Hein? Je sais pas si je ferais pas 2 tis ensemble, moi, là. Non? Bon, un petit coup de fin neuf, puis on oublie ça. Oui, messieurs. Oh boy! Fait chaud, ici? Hein? C'est parce que j'ai essayé de l'enrouler autour d'un arbre tout à l'heure, là. C'est 18 coups dans la trappe de sort, je l'ai pas pris pendant tout. Ben, on va en prendre un autre. OK. Bon, mais va m'attendre à l'autre trou, tu me tombes ses nerfs, là, toi. Si, si, seigneur. Ah, faut être riche en pain. Et pas peur, t'en recevras pas, mais m'adviser, OK? Pas des fâches, j'ai assez joué de coups, pogné un coup de soleil sur les mains, tiens. Je trouve pas pour mettre de la crème, le bâton va partir. Pense à ça. T'as combien de coups que j'ai sur ce trou-là, moi, là? 3? Sais-tu, j'arrêterais ça là, j'aurais un birdie, moi, finalement. Non, mais c'est pas mon genre, ça. Oh, qu'elle va sortir de là, ce balle-là, toi. Attention. Ah! Ah, ben, maudit. C'était une swamp, ça. Mais elle n'avait même pas dit que c'était pas là. Hey, j'avais demandé un cadet non-fumeur de dire qu'il m'en a donné un assez éteint, merci.